Une fois que vous l'aurez appris, vous n'achèterez plus de cadenas. Les serruriers ne veulent pas que je découvre ça. Le premier élément de l'indice d'aujourd'hui est une vieille pille qui a déjà été utilisée. Avec l'aide d'un couteau, nous allons d'abord retirer complètement l'emballage de la pille. Maintenant avec une pince, je vais pétrir complètement la pile pour faciliter le retrait des éléments internes de la pile. Et avant que j'oublie, dis-moi quelle ville tu regardes pour que je t'embrasse. Le câlin d'aujourd'hui va à Marie-Christine de Belgique. Je suis heureux que vous aimiez nos conseils. Cela fait, avec la pince, nous ouvrirons complètement le couvercle de la pile, seulement elle sera nécessaire pour notre conseil. Dans l'idéal, il faut rester à plat. Pour la suite, je vais également utiliser un ruban adhésif et un morceau de papier avec ce modèle. Je vais utiliser comme base le format qui sera nécessaire pour la couverture de la pile. Dans les moments de désespoir, nous avons finalement choisi de briser le cadenas, mais ce n'est pas l'attitude la plus indiquée, en plus de dépenser de l'argent en achetant un autre cadenas et encore moins parce que c'est difficile à faire. Avec l'aide de ciseaux, je vais couper la pièce métallique avec la forme du papier. Une fois le cadenas ouvert, nous aurons les éléments nécessaires. Pour la démonstration, j'utilise un nouveau cadenas, mais cette astuce fonctionne sur n'importe qui. C'est la partie la plus importante de cette vidéo, démontrant directement l'ouverture sans les clés. Avec le moule en aluminium de la pile, ayant l'épaisseur nécessaire pour entrer dans le cadenas, nous devons juste placer directement sur le côté qui a le verrou. Lors du pliage, nous ajusterons directement sur le cadenas et à l'aide de la pince, il suffit de faire pression jusqu'à ce qu'il s'ouvre. Ces types de cadenas s'ouvrent très facilement et c'est l'un des moyens les plus utilisés pour l'ouverture sans endommager. Lorsqu'ils sont fermés, l'espace où se trouve le verrou est très large, ce qui facilite l'entrée des objets à l'ouverture. Les serruriers ne veulent pas que vous trouviez cette façon d'ouvrir les cadenas. Avec cela, vous éviterez le coût de l'achat d'un nouveau cadenas et aussi d'un serrurier pour le retrait de l'ancien cadenas. J'espère que cette astuce vous sera utile en cas de besoin. Seule une vieille pile peut nous permettre de récupérer un cadenas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici, je vous verrai dans la prochaine vidéo, au revoir.